闇にうごめいてる人影増殖してゆくぜ魔性の大風狂気のハリケーンぶつかり合う Glorious Survivor You are the survivor 絶望を切り裂き歪んだ罪を仕留めろ Survivor The Super Survivor 限界を壊せよ生かれる魂Salut tout le monde, c'est Foulojo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Budokan Tenkaichi Free, sorti sur Wii et PlayStation 2. Alors PlayStation 2 en premier lieu et ensuite Wii. Il faut savoir que c'est sorti en 2007 en premier lieu sur PlayStation 2 le 9 octobre plus exactement, et en 2008 sur la Wii le 15 février plus exactement en 2008. Ça a été bien évidemment édité et développé bien évidemment par Toei Animation, Broad Studio Shueisha, par Spicy, pas Spicy Horse mais Spiky, je crois. Et on se retrouve aussi avec un Vegeta qui fait du sport et qui, auquel on peut eh bien, appuyer dessus pour qu'il nous fasse des pompes. Et ça, c'est excellent. C'est excellent. C'est tout simplement excellent. On peut se le dire. Donc, quand je reviens à ce que j'ai dit, on est plongé maintenant dans Dragon Ball Z, mais dans Budokan Tenkaichi Free. Et du coup, on m'a un peu bloqué dans ce que je voulais dire. En gros, ça a été fait par Spiky. Mais aussi par attendez Bandai, Namco Bandai bien évidemment. Alors ils arrêtent pas de parler, ça m'énerve. Donc voilà, on va se faire un petit entraînement. Je vais vous montrer un peu le gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Free. Alors ils arrêtent pas de parler, ça m'énerve. Franchement ils arrêtent pas de parler, faut qu'ils arrêtent. Je vais vous montrer un peu le menu pour l'instant. On va faire un petit entraînement pour vous montrer un peu mes skills de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Free. Il faut savoir que j'ai joué d'abord à Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Free sur la Wii et je mangeais bien. Alors je l'ai pas acheté à sa sortie, je l'ai acheté en 2010 ou 2011 en occasion. Oui, faut le savoir. Et je l'ai torché, j'ai torché l'histoire. Et on pouvait voir dans ce jeu tous les costumes et tout qu'il y avait, c'était excellent, j'ai kiffé et je vais vous montrer ça bien évidemment dans cette vidéo. Et on va aller bien évidemment dans entraînement, juste pour montrer l'entraînement, les enchaînements et tous les coups qu'il y a. Alors, ça va être un peu bizarre parce que je n'ai jamais joué à la version PS2, j'ai un peu testé avant. Donc vous enregistrez cette vidéo sur PlayStation 2, sur l'émulateur, parce qu'il faut savoir que j'enregistre ça sur un émulateur qui est PSX2, auquel j'ai bien configuré et tout. Et du coup, bah, ça me dérange un peu de jouer sur PS2 parce que je n'y arrive pas trop bien. Alors, faut savoir que sur la Wii, on pouvait carrément prendre les deux manettes et le Nunchuk et la manette et faire des Kamehameha, genre en version. Eh bien, en vrai, comme si tu faisais un vrai Kamehameha. Et ça, c'était excellent à l'époque. Vraiment excellent. Et putain. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait sur la version Wii sur Dolphin? Eh bien, c'est tout simplement parce que je n'ai pas les manettes pour. Et la version Dolphin, eh bien, c'est assez compliqué de manier ça. Pour faire eh bien des Kamehameha avec la manette, il faudrait avoir une manette Wii et tout et tout, et en plus avoir le Bluetooth et tout activé, donc enfin ça serait tout un bordel. Donc voilà, apparemment dans ce jeu il y a énormément de personnages, il y en a 92, si je me souviens, 95, je crois qu'il y en a 92. Il y a tous les Dragon Ball de toutes les séries, tous les personnages. Vous voyez déjà, on les a pratiquement tous. Alors il y en a qu'il faut débloquer, bien évidemment. Alors je sais pas, il y a une petite différence par rapport à la Wii. À la Wii, on pouvait mettre des codes auxquels on pouvait avoir d'autres personnages. Alors, il y avait des personnages exclusifs au Japon et des personnages exclusifs en Europe. Ce qui était assez sympa. Alors je sais plus quel personnage c'était sur la Wii, mais je crois qu'il y avait le Taiyo Pai Pai Cyborg qu'on pouvait avoir en japonais. Je ne sais plus. Mais c'était pas mal. Alors non, on va pas prendre Taiyo Pai Pai, donc voilà, je vous montre un peu tous les personnages. On avait vraiment tous les personnages. Alors Yamcha qui arrête pas de miauler, ça m'énerve, il est chiant, oui il est chiant, très chiant comme chat. Donc bref, ouais, j'avais vraiment défoncé le jeu comme un grand malade. Alors je vais arrêter de parler parce que c'est assez chiant pour vous. Du coup, nous ce qu'on va prendre, on va prendre Goku, merde, on va prendre Goku,
Oh putain, on avait même super végétaux et tout. Le mode super trop pété. Voilà, ce personnage, il est plus que pété dans Dragon Ball Budokan Tenkaichi 3. Faut le savoir. Et on va prendre un personnage tout aussi badass qui est Sangohan Super Yajin 2. Alors je préfère qu'on est plus petit. Alors, la plupart des personnes préfèrent Sangohan Saiyan 2 quand il est ado. Il y en a qui préfèrent qu'il soit comme ça. Enfin, il y a plusieurs préférences. Alors, le chat arrête pas de miauler. Je vais faire une courte ellipse, je pense. On va faire une courte ellipse. Attendez. Allez, on va faire start. Je vais faire une courte ellipse, je suis désolé. Bon, et c'est reparti pour la suite de cette redécouverte sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Et du coup, c'est parti, on va défoncer du Sangohan avec Gogeta. Alors, il faut savoir que je ne connais pas les persos de Dragon Ball Z. J'en connais certains, je l'ai vu quelques-uns. J'en connais parce que j'ai déjà joué à ça, à Budokai Tenkaichi 3. Et du coup, j'en connais quelques-uns. Mais je connais pas l'histoire de ces personnages. Donc, du coup, je pense que je vous dis un peu de la merde. Mais. C'est vraiment un jeu excellent en ce qui concerne le combat. Il y a pratiquement plein de techniques. Plus que dans Dragon Ball Xenoverse, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à Dragon Ball Xenoverse. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus dynamique et plutôt classe. Contrairement à Dragon Ball Xenoverse, là c'est pas un RPG. Là c'est carrément, on est directement dans le combat. Et c'est excellent. D'ailleurs, il y a un autre jeu que j'avais joué avant Budokai Tenkaichi 3, c'était le Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, qui était tout aussi excellent, auquel il y avait beaucoup plus de choses en histoire, il faut le savoir. Il y en avait beaucoup plus, l'histoire était plus approfondie, il y avait beaucoup plus de choses, alors que dans ce Budokai Tenkaichi 3, ça a été un peu rabaissé, je trouve, en ce qui concerne l'histoire. Je vais vous montrer tout ça, mais moi tout à l'heure, je vais vous montrer un peu tous les trucs qu'on peut faire. Faut savoir que j'étais assez bon quand même sur Wii, là je suis assez nul, parce que je sais pas trop comment on fait. Faut toucher et tout, enfin avec les boutons, c'est assez tendu quand même. Donc là maintenant il faut faire ça, les hop, la super vague. On peut charger évidemment notre ki. Et on peut voir qu'en haut on a de la barre de vie, et ça c'est plutôt cool. On a plusieurs barres de vie et ça c'est énorme pour l'époque. Attendez. Donc là, on peut voir les compétences ici. On peut voir la téléportation, la Dimensor Cosmite, donc voilà tous les enchaînements qu'on peut faire. Donc vraiment, les enchaînements sont putain, mais il y en a plein. Contrairement à... Non mais sans déconner. Contrairement à Naruto. Ultimate Ninja Storm 1, 2, 3, que j'ai sur la PS3, il y a 10 fois plus de choses. Sans déconner, je vous le dis. Je vous le dis les gars, il y a 10 fois plus d'enchaînements et ça c'est énorme. Putain, mais qu'est-ce que vous branlez les gars de Naruto? Vous a... Non mais... sans déconner... Je sais que c'est pas trop comparable parce que c'est Naruto, mais bordel de cul, regardez-moi tous ces matchs, tous ces techniques qu'on peut faire. C'est un truc de baiser, les gars. Oh là là, mais regardez-moi ça, combo qui quoi. Oh, mais what the fuck, les gars, c'est énorme. Putain, je sais pas pourquoi les gars. What the fuck, les gars. Et en plus de cela, on peut... Genre aller partout, bon là dans Naruto aussi, mais dans Naruto c'est clairement genre, on le voit, enfin, la caméra est bizarre dans Naruto, il faut le dire clairement. Mais pour un jeu de combat, je vous conseille vivement Dragon Ball. Alors, tous ceux qui disent Dragon Ball c'est nul, hein, vous pourrez aller vous faire voir, parce que Dragon Ball c'est excellent en ce qui concerne le combat, et c'est été fait excellentement bien pour du combat. Contrairement à Naruto, c'est pas vraiment trop du combat, je trouve, hein, c'est plus de l'histoire en fait. Naruto c'est plus axé sur l'histoire, je trouve, alors que Dragon Ball Z, voilà. Là, clairement, on sent bien que c'est du combat dynamique, c'est excellent, c'est un truc de ouf. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis en train de me refaire Dragon Ball, et Dragon Ball, c'est excellent. Je suis en train de faire d'abord le Dragon Ball, après je ferai Dragon Ball Z, et après Dragon Ball GT, et là, je peux vous dire que je suis en surkiff total. Alors, bien évidemment, là, les attaques, je fais toujours les mêmes, parce que je ne sais pas trop comment on s'y prend pour faire toutes les attaques. Sachant que sur Wii, je savais faire extrêmement de merde toutes les attaques, je me suis entraîné comme un gros baiser pour gagner les trucs. C'était assez tendu, mais voilà, c'était excellent. Donc attendez, je vais vous montrer un peu tous les menus qu'on pouvait avoir sur Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. C'était l'un des meilleurs jeux à l'époque sur Dragon Ball Z. Alors il y en a qui diront, oh, Dragon Ball Budokai 3, c'était excellent aussi. Mais moi, ce que je trouve, j'ai vu une vidéo d'à toi-même qui parlait de Dragon Ball Z Budokai 3 et pas Tenkaichi. Il disait que c'était excellent. Moi, je trouve qu'il était pas très bien parce qu'en fait,
les combats sont faits, en fait, c'est de côte à côte. Alors, même s'il y avait, les cinématiques et tout étaient plutôt sympathiques, c'était très fidèle au manga, je trouve que là, on est beaucoup plus libre et on peut attaquer vachement mieux et c'est assez excellent aussi. Donc, je préfère quand même Budokan Tenkaichi 3. Faut savoir que dans Tenkaichi, on peut avoir maintenant du tour du monde, donc on peut faire des championnats, faire des duels, mais bon, des duels entre personnages, c'est sûr. Et Evolution Z, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une évolution qu'on peut faire évoluer le personnage. Par exemple, on prend un personnage au pif et on peut le faire évoluer, et ça c'était excellent. Je me rappelle que j'avais essayé de faire évoluer des trucs, on allait à la boutique, tu gagnais des aides grâce au... comment ça s'appelle? Au scénario, je pense que c'était ça. Et on gagnait des aides, et on pouvait faire améliorer le personnage de fou pour qu'il soit putain de badass. Et après tu pouvais jouer avec tes amis et tout, c'était excellent, putain, je kiffais ma race. Et après il y avait des explications Z et tout, ça c'est sympa. Mais putain, c'était énorme. Et en plus de cela, on avait quoi? On avait des données. Les données, qu'est-ce que c'est? Ça nous permettait de voir un peu, eh bien, les guerriers, tout ça. Alors non, c'était pas ça où j'avais. C'était pas ça que je voulais vous dire, mais c'était pas ici que je voulais vous montrer en fait. C'était simplement au bio des personnages. Au bio des personnages, on pouvait voir vraiment tous les personnages. On avait tous les personnages. Alors je sais, est-ce qu'on peut le... Ah non, merde. Ah si. Ah si, on peut voir les modèles. Je me suis dit, on pouvait pas aller voir les modèles, donc voilà. On peut voir tous les modèles, et ça c'est juste excellent. Oh là là, et on peut voir les commentaires de Chichi qu'elle nous faisait. Alors je crois que sur... Bon. Je crois que c'était... un peu mieux sur Wii, c'était un peu mieux fait. Bon, oui, j'ai joué un petit bug comme ça, j'ai pas trop compris. Voilà, on peut avoir des playbacks. Ce qui est pas mal, de Christopher Sabat en anglaise. Alors, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis les versions françaises, ça aurait été marrant, version française. Mais ils ont quand même bien mis les voix japonaises. Et ça, c'est excellent pour les fans de manga. Mettez tout en japonais parce que c'est excellent. Alors, après, bien évidemment, il y a des mangas qui font l'exception à la règle que les voix françaises sont vraiment excellentes. Mais là, mettez les voix japonaises. Même si les voix japonaises sont assez berques, mais bon. Voilà, qu'on voit tous les descriptifs qu'il a fait, Super Vegeta et tout. Et ça, c'est excellent. On avait vraiment tous les trucs, tout ça. Et putain, qu'est-ce que c'était énorme. Il y a Jirobe qui était, eh bien, tout simplement, l'ami de Son Goku dans DBGT. Où à l'heure actuelle où je suis sur la série, je suis là. Je suis où Son Goku se bat contre Satan. Et on voyait ce gars. Je savais pas qu'il apparaîtrait dans DBZ. Enfin, ouais, je savais pas qu'ils allaient apparaître dans DBZ et dans DB en premier lieu. Et putain, mais c'est excellent. C'est énorme. Et le jeu est extrêmement bien fait, hein, putain. Sur PlayStation 2, alors, j'ai mis le graphisme à fond. On a Tapion et tout, on a tous les trucs de DBGT et de DBZ et de... Oh, ouais, c'est énorme. C'est juste énorme. Et après, il y a Mecha Freezer. Oh là là, Mecha Freezer qui fait partie de... Il y a des OAV qui y sont et tout, des personnages d'OAV. Et c'est excellent, mon dieu. Putain, je peux pas vous dire à quel point c'est énorme ce jeu de ouf. Juste trop bien, quoi. Les gars, non, ce jeu ne peut pas. Il peut pas être aussi nul que les autres. Parce qu'il est juste énorme. Je crois que c'est le premier des DBZ qui est aussi complet que ça. Alors, combat ultime, je sais pas trop ce que c'est. Je vais peut-être vous montrer un tour du monde, voir ce que ça donne. Bon, après, c'est des championnats, c'est pareil. Donc là, parlons de tour du monde. Là, j'en ai fait sur la Wii. Et à chaque fois qu'on revenait, il y a des heures. Et à chaque heure, on pouvait gagner soit des... des boules de dragon. Et à chaque boule de dragon, on pouvait... Il y avait Shenron qui apparaissait, on gagnait un personnage ou soit un autre truc. Et ça, je crois que ça y était. Alors, il y a une petite différence sur la Wii, je pense. Mais je crois que c'était un truc comme ça. Alors, on va faire tour du monde. Alors, bien évidemment, on a le grand championnat. Après, il faudra débloquer le grand tournoi et tout. Et c'était excellent parce que là, on pouvait gagner des zéniths grâce à ça. Et ça, c'était excellent. Et avec des zéniths, eh bien, on pouvait, eh bien, tout simplement acheter des trucs à la boutique pour se faire améliorer des personnages. Et ça, c'était juste énorme. Putain, les gars. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un personnage qui est bon. De Dragon Ball. Ah, on pouvait le mettre en gorille aussi. Excellent. Donc voilà, les personnaliser 1, 2, 3, c'est tout simplement les trucs qui permettaient d'améliorer les personnages avec les zéniths. Et c'est excellent. Bon, je vais vous montrer quelques gameplays quand même, comment on joue un peu au jeu. Donc là, bien évidemment, comme
sur DB, on peut voir eh bien, le grand tournoi des inversions qui faisait pareil sur l'anime, et c'est excellent. Et c'est moi, quand je regardais DB, Dragon Ball, eh bien, ça m'a fait penser à ça, c'était juste énorme. Sachant que j'avais pas vu DB avant d'avoir joué sur la Wii. Même si je m'en souvenais plus trop, donc bon. Et je me dis, putain, ça ressemblait vachement, et c'était excellent. Et là, on se bat au fur et à mesure, comme dans Dragon Ball, et Dragon Ball Z avec Dragon Ball GT, et ça, c'est juste... Alors, non, pas Dragon Ball GT, parce que Dragon Ball GT, c'était pas du tout pareil. C'est, on va dire, la suite, mais pas vraiment la suite, ça n'était pas été édité en manga, donc du coup, voilà, c'est pas trop bien. Alors là, on se combat contre un Saiyan de la saga Freezer, pour ceux qui ne sauraient pas. Je crois que c'est la saga Freezer, hein, si je dis pas de conneries. Les musiques aussi... Bon, j'avouerai que les musiques sont pas aussi bien que l'anime. Parce que bon... Alors, t'arrives vite. Ah putain. Et là, bien évidemment, il faut pas sortir. Vas-y, charge. Putain, je fais toujours la même attaque. Et là, bien évidemment, on peut faire des super attaques comme des grosses attaques. Là, on peut faire... Ah, putain. Bon, je l'ai bien défoncé. Recharge un coup. Et là, je vais regarder bien évidemment sur les compétences parce que je ne suis pas aussi fort que ça. On va faire Kamehameha. Donc voilà, bien évidemment, lui, il a pas beaucoup de... Il a pas énormément de trucs. Voilà, on l'a presque démonté. Voilà. Bon, c'était très simple, ça s'est fait en 2-2. Bon, après, il faut savoir qu'il y a des difficultés, bien évidemment. Mais voilà, le gameplay est juste excellent. On peut se balader tout autour et défoncer des arbres, des arbres et tout. Je parle un peu vite, donc j'ai des problèmes. Bon, bref. Et du coup, juste énorme. Du coup, on va se faire un petit tournoi, voir ce que ça passe. Là, on va se battre contre Gildo, qui cette fois-ci est de la Sega Freeza. Ah non, oui, non, mais c'est pareil, c'est la saga Freezer aussi. Donc voilà, on n'est pas encore à la Sega Cell. Donc faut savoir que bon, j'ai jamais vu la Sega Cell en anime, ni la Sega Freezer. Alors un peu la Sega Freezer, mais pas énormément, mais voilà. Et du coup, il faudra que je me la remate, et ça a l'air juste énorme. Juste énorme. Donc voilà, il se parle en japonais, ça c'est juste énorme. Alors faut pas que je tombe du truc, parce que sinon on va être dans la merde. Alors bien évidemment, rond c'est pour contrer, carré c'est pour taper, et aussi triangle, donc bon, triangle de, normalement de base c'est pour faire ça, c'est pour balancer des bouboules. Mais voilà, aussi triangle ça permet de faire des grosses attaques comme ça, et ça c'est juste énorme. Allez putain. Oh putain, il m'a éboulé. Oh. Vas-y, charge. Voilà, bam. Les cinématiques sont excellentes aussi. Hein. Alors je sais pas si. Je crois que la graphisme est beaucoup mieux sur Wii. Je sais pas, faut que vous me disiez dans les commentaires si le graphisme était mieux sur Wii. Mais putain, mais le jeu est juste énorme. Le jeu est juste trop bien. Putain, si vous voulez un vrai jeu de combat, jouez à Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Il est juste énorme. Oui, je sais que je n'arrête pas de me répéter au fur et à mesure de cette vidéo, mais... Juste énorme. Alors, je sais pas combien je suis... Ah merde, j'ai même pu activer le chrono. Merde, mais tant pis. Bon. On va finir la guilde, le truc, et après je vais vous montrer quelques autres trucs qui peuvent être sympas. Bon, après l'histoire, je vais pas trop vous le montrer, parce que c'est basique. C'est du basique, quoi, tout simplement. On choisit une saga... Et il y a les histoires qui suivent, et on doit faire les combats à chaque fois, et ça, c'est comme ça, quoi. Et après, on débloque des personnages au fur et à mesure, et c'est comme ça que ça se joue. Voilà, donc je vous montrerai pas forcément le scénario. Parce que le scénario, tout le monde le connaît, et tout le monde sait comment on y joue. Ah d'accord, je suis sorti du ring, voilà. Bon, le petit fail. Très bien, on se fait un petit fail. Voilà. Clairement. Mais voilà, fail, hein, du coup on a perdu. Parce que je voulais juste vous montrer un peu ce qu'on pouvait gagner. Mais voilà, on a fail, éliminé. Bon, pas très grave. Mais bon, en tout cas, voilà. Je vous ai montré un peu le truc, comment c'était. Voilà, excellent. C'est excellent. Alors,
Il faut savoir que sur la version Wii, il y a une version online auquel on pouvait aller se battre. Et c'était juste énorme. Aussi, dans la version Wii, il y a un autre truc qui change. C'est que dans la version Wii, on pouvait aussi faire des mini-jeux. Ce qui était sympa aussi. Donc des petits mini-jeux comme ça, sympathiques, avec Karine, voilà. Je vous le dis, c'était pas mal. Donc je vais vous montrer un peu quand même le scénario, comment ça se déroulait. Ça se déroulait. Salut, moi c'est Goku, voilà, blablabla. Bref. On peut choisir le machin. Et voilà, donc après il y avait les Saiyans et on peut débloquer à chaque fois des trucs et c'était énorme aussi. Et juste énorme ce jeu. Alors je sais pas, peut-être que je m'étale un peu trop. En tout cas, on va se faire un petit duel. Oui. Voilà, les duels on peut faire un avec l'IA. J'ai un V2. Et IA vs IA. Donc c'est what the fuck. On pourrait faire des trucs comme ça. Mais je trouve que ça sert assez comme rien. Du coup, ben on va faire Julien versus IA. Alors, quel personnage je pourrais prendre? Il y en a masse. Alors, on n'a pas tous les personnages, hein, je pense. On n'a pas tous les personnages parce que vous voyez qu'on peut en débloquer pas mal. Même si on les a pratiquement tous, j'ose jouer. Et du coup, ben, est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre Trunks Super Saiyan, qui est sympa aussi. Bon, je connais plein de gens qui aiment Trunks et tout. Je connais pas réellement Dragon Ball, mais regardez, je connais tous les gens qui aiment les personnages et tout. Quels personnages ils aiment et tout. Il faut savoir que celui-là, le Sangwan Ado, tout le monde le kiffait. Tout le monde le kiffait, voilà. Donc, bon, il y a des petits bugs, bon, c'est pas très grave. Donc là, vous voyez qu'on peut aussi changer, les mettre dans la ruine et tout. Sur Kame House. Vous voyez, on peut aller sur Kame House aussi, c'est sympa. C'est sympa aussi, Kame House. Et du coup, ben on va se faire un petit combat et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette découverte sur Dragon Ball Z Budokan Tenkaichi 3, qui est juste trop bien. Donc là, je vous montre un peu comment il se parle. Voilà, donc ils se parlent entre eux et ça c'est énorme. Ils ont fait du bon boulot. Oh putain, ah d'accord. Et lui il se bat avec l'épée, ah c'est vrai, parce qu'il vient du futur. Ah putain. Oh putain, il est trop fort. Je vais me faire démonter. Bon, je vois que je suis pas un excellent. Je suis pas un excellent joueur. Mais globalement, on peut faire des techniques de fou. Comme ceci. Bon, normalement, on peut faire un enchaînement de fou, mais là, je n'ai pas pu. Vas-y, recharge-toi. Allez. Oh putain. Ah non. Et là, attention. Est-ce que... Ah non. Je voulais voir le contre. Parce qu'on pouvait contrer genre... un truc excellent. On pouvait genre faire un contre et tout. Ah putain, mais il enchaîne les Kamehameha. Il est baisé. Calme-toi. Ah putain, bien joué. J'arrivais à le faire, ça là. À éviter les trucs et tout. C'est juste trop bien. Oh, il fait le Kamehameha faire fils. Oh putain. Bon, je suis désolé. Il y a quelques bugs, mais c'est rien de bien fou, ne vous inquiétez pas. Alors, épée de lumière. Attendez, on va faire épée de lumière. L2, bah, ok. Et attention. Ah putain, non. Je l'ai raté. Putain, ah là là, il me défonce. Je joue comme une brêle. Je joue vraiment comme une... Putain, bref. Ah, on va se faire démonter. Putain, je voulais montrer une putain d'attaque de fou. Bon, vous voyez, je suis pas un excellent joueur, mais moi je voulais juste vous montrer ce jeu qui est juste énorme parce qu'il faut que vous y jouiez. Et j'avais tellement envie de revenir sur ce jeu qui est juste trop bien. Alors, bien moi, je n'ai pas joué sur PS2, mais ça me fait quand même montrer. Ouais, je sais pas. Non, mais je sais pas faire des techniques, mais. Vous avez bien vu l'envergure des techniques qu'on pouvait faire, c'était juste énorme, juste épique, juste trop bien. Et juste là, et du coup, et là normalement, je peux le faire. Quoi? Il m'a évité de bâtard. Oh putain, bon, et KO, je suis KO, c'est pas très grave. Ah putain,
Non, je voulais pas rejouer. Oh putain, fait chier. Alors, on va faire start. Start, start, start. Start, start, start. Oh là. Ah, merde. J'ai activé mon truc de Xbox. C'était pas voulu, ça. C'est que j'ai une manette Xbox et je joue avec la manette Xbox et du coup ça m'affiche. Alors je voulais juste vous montrer le bio des personnages. Le bio des personnages, faut savoir que j'y étais quand même pas mal dessus. Parce que ça me faisait kiffer de voir les modèles et tout. Tu prends un modèle et tu regardes le modèle. Juste énorme. Tu pouvais voir le deuxième modèle. Le quatrième. Tu kiffais quand tu regardais ça. Alors c'était juste trop bien. Je m'amusais à regarder les trucs pour savoir un peu l'histoire et... Putain, c'est juste énorme. Modèle, tu regardes, il y avait trois modèles, là où il était en Super Saiyan, là où il était comme ça. Oh putain, et c'est juste trop bien. Non, je crois que tu pouvais zoomer. Ah là, tu peux pas zoomer. Je crois que sur Wii, tu pouvais zoomer et tout. Bon bref, voilà, vous avez à peu près tout. Le commentaire Chichi, la playback, le playback de la voix, l'intro, l'introduction du personnage, tout y est pour kiffer. Donc là normalement en bas, ce que vous voyez là, la petite barre, c'est pour gagner des Dragon Ball, et à 7 Dragon Ball on peut faire un vœu et gagner un personnage. Voilà, juste pour vous dire ça. Et donc voilà, c'est sur cette fin de vidéo qu'on va se laisser là sur Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi Free. Je parle tellement vite et oui, c'est un truc de ouf, et le jeu est juste épique et juste énorme, et j'avais envie de vous le présenter parce que voilà, c'était juste énorme et j'avais envie de revenir sur source. Et oui, encore une vidéo sur Dragon Ball, oui, parce que la vidéo d'avant, c'était une vidéo sur Dragon Ball Online. Et oui, vous voyez que je reprends un peu de Dragon Ball. Et Dragon Ball, c'est une série à voir. Et même si vous aimez pas, allez le regarder, bordel de merde. C'est juste trop bien. Juste trop bien. T'as de la comédie, de l'action. Et c'est juste trop cool. Oui, voilà. Et c'était fait bien évidemment par Akira Toriyama. Bien évidemment, vous le connaissez tous. Énorme la vidéo. Énorme. Bref, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt. Peut-être sur une autre vidéo sur Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi Free. Hein, si vous voulez. Vous allez me le dire dans les commentaires. Et j'en ferai une autre si vous avez kiffé. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Fulojo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.